et partenariat entre la, le jardin exotique de Monaco, comme vous le savez, des membres de la mairie de Monaco, c'est donc M. Georges Marsan, le maire, qui signera cet accord. Vous n'êtes pas encore ce soir, non, comme vous préférez. Et M. Georges Marsan qui signera cet accord, mais je dirais au-delà de cet accord, notamment de tarification cumulée entre le jardin exotique de Monaco et le musée océanographique, je me réjouis de l'esprit de partenariat et de travail en commun qui existe depuis maintenant quelques temps, plusieurs années, qui va en se renforçant entre les différentes entités culturelles, touristiques, scientifiques de la principauté de Monaco. À l'origine de cet accord, il y a la situation du jardin exotique et notamment les travaux de construction qui sont réalisés par le gouvernement et qui limitent malheureusement de façon drastique les places de stationnement. Et donc nous avons pu discuter de cette situation et il nous a semblé utile de mettre en place un dispositif qui permette aux groupes de touristes, en particulier ceux qui viennent en autocar, et qui ont, nous avons cette chance au musée océanographique, la possibilité de se garer en partie des pêcheurs, ici Madame Ramaglia, de pouvoir visiter le musée océanographique, et puis, dans la foulée, de pouvoir continuer à aller au jardin exotique. Alors pour cela, il faut se rendre d'un lieu à un autre, et c'est à ce moment-là que nous avons sollicité la compagnie des autobus de Monaco, cher docteur et cher Roland, et qu'effectivement, sous l'égide du département de l'équipement et de la direction de la prospective, je salue M. Capert, que j'ai vu tout à l'heure, nous avons pu mettre place un accord qui permet, dans le cadre d'un même billet, de rentrer, de visiter le musée océanographique, d'aller prendre l'autobus à la place de la visitation et de se rendre au jardin exotique, puis de revenir prendre cet autocar. Et donc, ceci va renforcer les liens qui existent déjà entre le jardin exotique et le musée océanographique. Juste pour vous donner l'importance de ces partenariats, il y a encore 5 ans de cela, il n'y avait même pas de billet jubilé entre le musée océanographique et la visite des appartements institutionnels du palais princier de Monaco. Donc, nous avons mis en place ce billet jubilé en 2011, je crois me souvenir. Depuis 2011, le pourcentage de croissance de la vente de ces billets jubilés est supérieur à 20 à 25% par an. Et nous avons vendu l'an dernier pas moins de 90 000 tickets jubilés entre le musée océanographique et le palais princier de Monaco. On voit l'importance de ces synergies. Alors c'est vrai qu'entre le palais et le musée, il y a une unité de lieu. C'est un peu plus difficile avec le jardin exotique, c'est la raison pour laquelle la compagnie des autobus de Monaco nous aide dans cela. Et on voit vraiment tout l'intérêt de se rapprocher pour être plus fort. Du conseil municipal et puis les services de la mairie. Merci d'être, Christine, merci d'être présente ici. Le département de l'équipement, le département des finances, la direction du tourisme, le département de l'intérieur, M. Christophe Pratt, le directeur général qui représente M. Patrice Sénario en péché. Georges, si tu veux bien nous faire part de ton j'avais. Oui, c'est vrai que pour nous, ce partenariat est très important, à double titre, de toute manière.
c'est pas la première fois que nous faisons une association entre les deux entités. Et c'est vrai qu'on s'est vu il y a quelques semaines, et aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui a été très étudié, modulé et mis en pratique. Mis en pratique, et qui a été mis en pratique aujourd'hui. Robert, tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a des travaux extrêmement importants qui ont eu lieu aujourd'hui au Jardin Zoologique, qui auront duré quelques années, et aujourd'hui, ce partenariat va dynamiser vraiment le Jardin pendant cette période, jusqu'au moment où on aura notre parking, comme aujourd'hui le musée a sur le parking des pêcheurs, nous aurons un parking également très important pour nos visiteurs. Donc ça va nous permettre, entre autres, de passer cette période un petit peu difficile, et donc en partenariat également avec le gouvernement et la CAM, qui lui va transporter nos touristes entre les deux sites. Merci beaucoup Georges, je me réjouis vraiment de ce climat. Tout ceci, nous avons besoin, comme tu viens de le signaler, de transporter les touristes d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, il y a un superbe réseau d'autobus. Peut-être que demain, il y aura encore mieux pour renforcer la synergie entre les deux pôles. Merci beaucoup. Bon, avant tout, je tiens quand même à rendre un hommage à Sacré, en tant que quelqu'un qui est quand même porteur de ce projet depuis le début et qui fait preuve de son individualisme, que chacun ici connaît. Donc, la direction du tourisme, c'est évidemment du bureau de présentation à l'étranger, en plus de Monaco. C'est un énorme pouvoir de diffusion de l'information à l'étranger et bien sûr entièrement dédié aux entités culturelles, touristiques, centres attractifs de la principauté. Alors, comme l'a dit M. Marchowski, le transport, c'est aussi, ça fait partie de notre offre. Nous, de notre côté, on s'associe pleinement, on essaye de voir un petit peu plus loin aussi, puisque la direction du tourisme planche sur l'idée de créer une Monaco Garde sur le modèle de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la Côte d'Azur Garde. Donc, c'est le parc à Fallou, je pense, ainsi que finalement le musée sonographique. Donc, nous, de notre côté, on prend cette très belle avancée comme un premier pas vers quelque chose de plus important et on espère que le projet aboutira. Merci. Alors, dans la logique que vient d'annoncer M. Guillaume-Rose, effectivement, il y a une volonté du département d'intérieur, je pense du gouvernement dans son ensemble, à ce que le partenariat qui va être signé dans quelques instants ne soit qu'une première étape de cette aventure et permettre très rapidement à ce que l'ensemble des entités culturelles et des musées qui le souhaitent, de la principauté, puissent adhérer aussi à un partenariat global dans le cadre d'une carte passe monégasque qui permettrait d'unir l'ensemble des entités qui auraient un intérêt pour le tourisme et pour la culture en principauté. Donc nous sommes tout à fait favorables et prêts à vous aider bien entendu dans cette démarche. Merci Robert. En préliminaire, d'abord je voulais, comme fait déjà M. Rose, vous remercier de logements Domaineau, 150 logements Domaineau avec le club Blanchard. Donc ce sont des chantiers d'importance, des chantiers qui vont occasionner certaines aisances, mais nous sommes là tous ensemble pour essayer d'y remédier. Et à ce titre, je voudrais également remercier notre partenaire avec M. Drefchinski, la CAM. Nous avons régulièrement des réunions, des pour voir comment améliorer la circulation à Tramuros à l'intérieur de la principauté de Monaco, en modifiant certaines lignes, en ajoutant certaines lignes et en essayant de s'adapter au maximum à tous les inconvénients que certains chantiers peuvent faire subir à la circulation intérieure de la principauté. Donc je vous remercie.